les curieux, aujourd'hui je vous emmène avec moi et mon chéri, on va au cimetière des Pestiférés. Alors c'est à côté de Besançon, voilà, on va aller voir ça. Allez, à tout à l'heure. À Recologne. Maintenant, on va falloir trouver le cimetière. Chose qui va pas être facile. Parce qu'en fait, on sait pas où il est. Alors, on va voir. On va chercher une petite pancarte ou je sais pas. C'est bon, on a trouvé. Et voilà, nous sommes arrivés. Alors,
Non. On dirait l'entrée de l'artiste. Peut-être passer par là. Voilà. Encore des pierres tombales quelque part, mais donc on a essayé de chercher là. Nous allons aller à la recherche des pierres tombales. Je suis pas sûre. On trouve quelque chose. Je crois. Allez voir, je crois qu'il observe quelque chose. Peut-être il a trouvé une pierre. Ah, c'est pas une pierre. C'est des oiseaux. Ah, oui.
Attends, où est-ce qu'elle est dedans? Les anges. Elle est là. Bon, bah moi, j'ai pas trouvé. Vous cherchez. On va aller par là. Attends, on va aller voir par là. La peste. En tout cas, c'est très joli. Hein. En plus, là, il y a un petit rayon de soleil. C'est super agréable. Bon, en tout cas, c'était super sympa. Alors, c'est la première fois que je faisais un vlog. Il n'y a pas grand chose à voir sur ce cimetière des Pestiférés, cette affaire. C'est une belle promenade en tout cas en forêt. Maintenant, effectivement, il y a juste deux pierres, quoi. C'est pas. Voilà, pas grand chose à voir, mais bon, c'est sympa en tout cas pour l'ambiance. Ah, il y a le TGV aussi qui passe pas très loin, juste derrière. Mais voilà, ben je vous dis à bientôt, peut-être pour un autre vlog. Allez, salut les curieux!